Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 25e vidéo placée sur le thème de Linktober. Le thème du jour c'est Buddy. Buddy ça veut dire copain, copine, pote, camarade. Et donc moi ça me fait penser à deux personnes. Mais alors ça a été quasiment instantané quand j'ai pensé à ça. Ces deux personnes qui sont qui se tiennent par l'épaule, vous voyez, et qui marchent de dos en fait et qui partent. Hop, comme ça, donc du coup, il faut que les bras se croisent dans le bon sens. Donc on prend en avoir un qui a une main comme ça sur la hanche. Hop. Et l'autre, par exemple, qui pourrait être vachement content comme ça. Wally Walou, un petit peu l'idée du dessin du jour. Allez, je vais passer sur le carnet. Alors, donc nos deux personnages, on va en avoir un ici, un autre juste là. Ils sont de dos, donc pas besoin de faire trop de détails. Pas trop de détails sur les visages, c'est ça que je voulais dire. Ouais, pardon, désolé, je mets du temps à finir mes phrases, mais je suis un homme donc j'ai du mal à faire deux choses en même temps, c'est bien connu. Donc voilà, dessiner et parler, et ben c'est pas facile hein. D'ailleurs, big respect à tous les dessinateurs pros qui arrivent à faire ce genre de truc. Genre, je sais qu'il y en a qui en dédicace, ils font ça. Ils arrivent à papoter, parler de tout et n'importe quoi pendant qu'ils sont en train de te lâcher un dessin, mais de dingue. Et moi je galère juste à expliquer deux trucs en même temps que je parle. Donc voilà comment moi j'imagine un petit peu l'amitié, entre guillemets, enfin l'amitié, de copains en fait, de potes, vraiment soudés, toujours là à se soutenir l'un l'autre. Ce sont les amis, c'est très important les amis dans la vie. On sait très bien que c'est le genre de personne qu'on pourrait ne pas voir pendant des semaines et des jours et des mois, mais que dès que tu as besoin, ils sont là, et ça c'est cool, ça c'est les vrais potes. Et que quand on les revoit, c'est exactement comme hier, comme quand on s'est quitté, rien qui n'a changé, et ça c'est cool. Quand on a des amitiés comme ça, franchement, c'est super. Alors là, au niveau des gestions de couleurs, je n'ai pas la moindre idée de vers là où je vais. Donc là, j'avais envie de faire un espèce de pull. Oui, je suis parti sur un pull. Là, pour moi, on est en hiver, on n'est plus en été. Ça y est, c'est fini, c'est Linktober, on est en octobre. On va bientôt changer d'heure, ça va être déprimant. Donc, ben voilà, mes dessins aussi, c'est l'hiver. Je les mettrais bien. Oh le pauvre. Un pull marron dégueulasse. Un peu comme ça. Faut pas que je dépasse. C'est pas encore sec. Ne fais pas le con. Vous savez que je vais dépasser. Hein. Vous le savez, moi aussi je le sais. Je sais juste pas à quel moment ni à quel endroit ça va arriver, mais c'est sûr je vais dépasser. Ah ben voilà. Voilà, j'ai un petit peu dépassé. Mais ça a l'air de pas trop baver. Faut dire j'ai pas mis trop d'eau encore.
J'ai pas mis trop d'eau, du coup, c'est probable que ça n'ait pas encore trop d'impact. Alors, pour les couleurs de peau ici, sur les mains, le petit bout de visage qu'on avait là. On va partir sur un pantalon jean parce que ça marche bien. Je commence par les parties ombrées. J'ai commencé du coup à attaquer le deuxième personnage. Comme ça ici, ça sèche un petit peu. Et j'ai plus qu'à tirer mes couleurs pour avoir la partie en lumière. Et même chose ici. Donc c'est ça, hein, toujours essayer de définir une source de lumière, une direction. Savoir d'où ça vient pour pouvoir placer vos ombres du coup à l'inverse de là où vient votre lumière. Donc là, j'essaie de placer les chaussures, hein, vite fait. J'aime bien le côté en fait qu'ils aient vraiment le même jean. Ça fait vraiment un peu les poteaux qui s'habillent même presque un peu pareil, quoi. Ils ont vraiment un lien. Je trouve ça cool en fait. C'était pas pensé, c'était pas réfléchi. Donc voilà, d'ailleurs, ça c'est un truc des fois, les mecs qui disent oui, mais l'artiste il a tout réfléchi à l'avance, ça représente ça, s'il a choisi telle couleur, c'est pour ça. Moi, c'est pas le cas. Hein. Moi, c'est pas le cas, et en plus, moi je suis pas certain que ce soit vrai quand on a ce genre de déduction. Je suis pas certain que ce soit réellement le cas. Après oui, il y a des choses qui sont forcément réfléchies, hein, ou alors qui sont à force de les avoir répétées plusieurs fois, d'avoir vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Forcément, au bout d'un moment, on fait des choses instinctivement, on place le personnage à tel endroit, on choisit telle couleur avec une autre parce qu'on sait que c'est plus harmonieux, etc. Maintenant, de là à dire que j'ai choisi du vert parce que c'est la couleur de la nature qui correspond à l'espoir et machin, je sais pas quoi, et bidule et chouette. Non, là c'est juste que j'avais envie de sortir du verre. D'ailleurs, il est pas beau celui-là. Oh, qu'il est pas beau. Le lavabo. Ah ouais. Bah, c'est pas grave, hein. Il sera dégueulasse. On s'en fout si le fond il est pas beau. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a au centre. Et au centre, c'est une belle amitié. Voilà. On va justifier le truc comme ça, c'est parce qu'on doit se focaliser sur l'essentiel. Ceux qui sont toujours là pour nous, ce sont les amis, ce sont eux, et donc peu importe ce qui se passe autour. Voilà, hein, vous avez vu, avec un peu de blabla, comment on peut justifier des choix dégueulasses. Bon, et bien écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici, et moi je vous dis ciao, à la prochaine!